Te commencé, nous avons réfléchi sur une prière, un mot que je suis capable d'utiliser le pas de temps pour prier bon Dieu. Un mot que je peux utiliser in wash hour. Un mot que je peux utiliser l'aime face à un problème qui est difficile. Yon mot que je peux utiliser l'aime malade. Yon mot que je peux utiliser l'aime faire un bagage qui n'est pas bon devant bon Dieu. Il est tellement pas bon. Je suis tellement de mon émotion là qu'à moi. Je n'ai pas qu'à prendre temps pour me prier, même 10 mots ça seulement. Bon Dieu, dans l'omniscience, il comprend. Moi, ils comprennent tout ça, me plaît-il. Et c'est comme ça, bon Dieu, dis-moi, moi, prends le bon moi. Ou te comprends-li d'après tradition, interprétation théologique, yon façon. Mais je dis, moi, prends le forwell, yon l'autre façon. N'a pas ouvert Bible nous dans Genèse chapitre 22. On a commencé à lire à partir du verset 4e à continuer. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi, le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit mon père, il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je suis maintenant que tu crains l'Éternel, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un
un bélier retenu par un buisson par les cornes. Luc chapitre 4, le verset 18e à continuer. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Prions le Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour Paolo qui c'est la vérité. Bénis-nous que nous matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Pas de monde en dans l'église qui pas connaît histoire Abraham. Que mon Dieu change nom en Abraham. Nous connaissons que il était très difficile pour Abraham faire petit. C'est un homme qui fait petit lit dans l'âge grand monde lit. Les Sarah fin grand monde, c'est laissa Abraham fait petit avec Sarah. Mais il y a une sorte d'inquiétude de la caille Sarah à un tel point que il t'a demandé Abraham à coucher ensemble avec servante Sarah et de relations sexuelles ça, Ismaël prend naissance. Les Ismaël fin prend naissance, nous connaît que bon Dieu toujours fidèle à promesse-li, malgré faute Abraham te faire, bon Dieu fidèle à promesse-li, li accompli promesse-li dans la vie Sarah. Et Sarah vient enceinte, lui fait un petit qui relève Isaac. Kounia vient un problème en dedans Kaila. Sarah mandé pour Abraham mette à Gadéo avec Ismaël. Et nous te voyons comment Ismaël avec Agathe a prié dans le désert. Nous te voyons comment l'ange bon Dieu te prend soin. Avle dit, Abraham te fait avec toute qualité de difficulté. Il t'est souffri pendant jeunesse li et jusqu'à grand moun li. Le fait que madame li pas de café petite, Kounia li vin souffri encore. Madame li qui mandait pour li mette petite servante là dehors à toute servante là. L'autre bagaille, Abraham souffri de li. Abraham souffri le fait que t'es en discussion entre serviteur là avec serviteur Abraham. Abraham souffrit de séparation ça qui fait. Abraham souffrit en fin de compte de yon demande que bon Dieu mandait. Lui mandait pour lui offrir Isaac en sacrifice. Et c'est ça le petit ça, lui t'a gagné. Mais malgré ça, malgré notre toute souffrance, ça, frère Malsonio, Abraham obéit à bon Dieu complètement. Dis-moi qui a côté là, on nous obéit à bon Dieu. Nous voyons que Abraham te gagne une foi qui allait au-delà de problèmes. Dis-moi qui a côté là, on nous gagne la foi qui allait au-delà de problèmes. Les ou gagnons la foi qui allait au-delà de problèmes. Wapoué, ça moun pas, j'avoue. Wapoué, derrière mon taille là, yon délivrance. Wapoué, derrière sa loi, lumière. Ou après des maladies, guérison. Ou après des servilités, en pile petite. En nous guérons la foi qui transcende les montagnes. En nous guérons la foi pour commencement, année 2014, ça. Yon la foi qui crase les problèmes. En nous guérons la foi, frère Maxime, qui extraordinaire. Nous te raconter
nous déjà que y a trois types de foi. Il y a une foi juvénile, il y a une foi enfantine, il y a une foi juvénile et une foi adulte. Moi, ouais, que y a une foi abrahamique. C'est une foi qui est extraordinaire. Par exemple, ma marche sous chemin avec mon Dieu, ils ont nous mettez obstacle. M'pas craser nous, non?